Yo la team, c'est le retour d'Alexis Grima. Cash, cash, cash monnaie. Ce dimanche, direction Vincennes pour mes trois tuyaux. Allez, c'est parti. Alors, mon tuyau numéro 1, mon coup sûr, mon péno, c'est Ossia dans la deuxième. Cette représentante des Montils s'est imposée trois fois lors de ses quatre dernières tentatives. La dernière fois, c'était sur le parcours. Elle s'est complètement baladée. Là, ce dimanche, elle retrouve des conditions de course favorables. Les gars, foncez. Mon tuyau numéro 2, mon coup de poker, c'est Flamme du Goutier dans le Cornulier. C'est simple, la jument, elle a couru 5 fois autre remontée, 3 victoires, 2 deuxième places. L'an dernier, elle est deuxième de l'épreuve. Cette année, l'entourage, ils ont préparé que ça. En dernier lieu, dans la Q5, à l'attelé, elle a carrément crevé l'écran dans la ligne droite. Antoine Vils la connaît par cœur, alors foncez. Alors, mon tuyau numéro 3, mon coup de foudre, c'est Iron Mélois dans la 6e. C'est simple, c'est un poulain que je suis depuis ses débuts en compétition. Il ne faut surtout pas le condamner sur ses dernières tentatives. La dernière fois qu'il a été plaqué, comme ce dimanche, il s'est classé 3e derrière Italiano Vero et Ideal Ignori. Le tandem Alexis Colette, Pierre Beloche, ça marche à merveille. Alors les gars, ça peut payer. Petit récap la fratrie. Mon coup sûr, c'est Ostia avec Raffin, il n'y a pas de course. Mon coup de poker, c'est Flamme du Goutier. L'entourage a préparé que ça toute l'année. À mon avis, elle va pas être loin. Et pour conclure, mon coup de foudre, Iron Mélois, tandem, Beloche, Colette, cash, cash, cash. C'était mes trois tuyaux, j'espère qu'on va se gaver en ce dimanche de Cornulier. En attendant la semaine prochaine, le prix d'Amérique Legend Race. Bon week-end à tous.